J'ai couru après le temps et j'ai menti à la lune. J'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume. Entre le feu et mon marteau, je me suis forgé, j'ai un costume. Francofête, c'est un moment d'échange. C'est vraiment une découverte également aussi pour les gens qui sont venus de partout dans le monde, de toutes les régions, soit du Canada, de l'international, voir qu'est-ce qu'est l'Acadie. On découvre des gens, on découvre une communauté, une histoire que parfois on ne connaît pas. Une histoire qui a eu des tristesses, des joies, et maintenant des artistes qui font rayonner cette histoire-là, qui l'ont écrit, qui la chantent, qui la dansent. C'est un moment de célébration de l'Acadie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? De jouer à chat. À chat! Le coquin! Non, vraiment! Souvent, tu as des surprises, et puis je pense que ça, c'est le plus bel aspect de la Francofête. Ça et les rencontres qu'on y fait, parce qu'il y a des artistes de partout, il y a des diffuseurs de partout, et c'est toujours agréable de parler de chansons, de création artistique, de danse, de théâtre, ici, chez nous, en Acadie. La Francofête en Acadie, en fait, ça existe depuis 20 ans, mais il y avait avant un événement qu'on appelait Contact Acadie, qui existe depuis... On n'a pas les archives, malheureusement, mais ça fait près de 30-35 ans. Puis il y a des gens qui sont regroupés pour créer un genre de festival. Il y avait les arts de la scène, évidemment, il y avait les arts visuels, il y avait le Salon du livre. Ça a regroupé plusieurs événements, puis ils ont créé un nom qui s'appelait la Francofête. On n'est pas là pour tendre des pièges dans les entrevues, donc on les présente de belle façon. On les laisse faire leur vitrine et ensuite on les met en valeur en donnant l'information nécessaire pour les producteurs, les acheteurs, les diffuseurs. Parce que ce qu'on veut dans le fond, c'est que ces gens-là gagnent et vivent de leur métier. Donc si on peut aider dans cette étape-là, ben, on est gagnant tout le monde. Je retourne voir Louis et on a ensemble ce regard. Un regard plein d'émotions, vide d'espoir. En ayant fait le tour de toutes les, ce qu'ils appellent le salon contact, où on peut rencontrer tous les agents de tous ces talents, on se rend quand même compte qu'il y a, vraiment beaucoup d'émergence artistique, un foisonnement musical important. Char de rouleuse, petit cendrier plein, char qui rentre tard, puis qui vient pas souper. Char de dimanche, apprend à messe dans mes beaux habits. Genre de palette de chocolat pis de coke en bouteille. Ici, les artistes sont très, très, très bien cotés. Et j'ai eu mon coup de cœur. Francofête, pour moi, c'est enrichissant. L'Acadie explose, l'Acadie rayonne, elle est bien vivante. Vive l'Acadie! Je vois tout dit, je